jardin. Mais d'où vient la terre de ces jardins sur cette montagne de granit? Elle a été transportée de la côte. Il y a plusieurs petits jardins sur le mont. Celui-ci était autrefois le petit cimetière du mont. Aujourd'hui, il sert de chapelle en plein air. D'ici, vous pouvez voir les trois étages de l'abbaye. Pourquoi est-ce que les murs de l'abbaye sont si hauts? N'oubliez pas que l'abbaye comprend six bâtiments construits en trois étages autour du sommet d'un mont de granit. Alors le bâtiment du centre doit être construit au niveau du troisième étage. Ça se peut. En tout cas, il y a beaucoup d'escaliers à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on trouve aux différents étages? Regardez ce plan sur notre guide. Tout en haut, au troisième étage, l'abbaye et le cloître. En dessous, au deuxième étage, plusieurs salles, et notamment la salle des chevaliers. Au premier étage, il y a des caves. J'ai lu dans notre guide qu'autrefois, les caves étaient employées comme prison politique. Oui, surtout au 19e siècle. Aujourd'hui, un musée de cire très réaliste donne une idée de la vie des prisonniers dans ces caves. Vous pouvez voir là-bas l'entrée du musée. Pouvons-nous le visiter? Nous le visiterons tout à l'heure. Je préfère ne pas trop tarder à faire le tour de l'abbaye. Est-ce là l'entrée de l'abbaye? Oui. Il faut monter ce très long escalier jusqu'au deuxième étage, où il y a quelques grandes salles. Quelles sont ces fenêtres tout en haut? Ce sont les fenêtres du dortoir de l'abbaye. C'est là que dormaient autrefois les prêtres et les moines. Est-ce qu'il y a des moines dans l'abbaye aujourd'hui? Non, il n'y a plus de moines dans l'abbaye. Mais il y a un prêtre pour dire l'office dans la petite chapelle. Quelles sont ces flèches que nous voyons derrière le dortoir? Ce sont les flèches de l'église, au sommet du mont. Est-ce que ces flèches sont de la même époque que le dortoir? Non. Elles font partie de cette construction du XIIIe siècle qu'on appelle la merveille. Ces flèches sont certainement une merveille de style gothique. Un des meilleurs exemples. Mais montons voir l'intérieur. C'est ici que les visiteurs peuvent rejoindre leur guide. Il fait sombre. Il n'y a qu'une fenêtre. Regardez comme les murs sont épais. C'est parce que les murs sont solides que le monument a duré 12 siècles. Allons. Ah, voici l'une de ces caves dont nous parlions tout à l'heure. Des chevaliers.
Les chevaliers de la table ronde? Non, des chevaliers de l'ordre de Saint-Michel, fondé par le roi Louis XI en 1469. Ils avaient vraiment une salle magnifique. Oh, regardez, la cheminée. Comme elle est grande. Il y en a deux semblables. Est-ce que c'était aussi une salle à manger? Non, la salle à manger est à côté. Ces cheminées étaient faites seulement pour chauffer la salle. Elles sont si grandes. J'admire les voûtes. Elles forment un bon essaim. Oui, n'est-ce pas? Suivant les autres, on se perçoit facilement ici. Montons au cloître, c'est là le bijou du monde. C'est vraiment le bijou du monde. Comme c'est beau. Les colonnes sont si délicates. Et voyez comme elles forment un beau dessin. Venez voir la vue. Je vous ai dit qu'elle devait être belle sur la mer. Que c'est beau! Est-ce qu'il faut partir demain pour la Bretagne? Oui, j'ai des affaires qui pressent. Mais vous allez trouver de belles choses en Bretagne aussi. Venez, descendons.